Eh bien les gars, c'est Tip et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va discuter ensemble des meilleurs SBC à faire sur FC24. Alors ça n'a pas été la semaine la plus garnie au niveau du contenu, mais il y a quand même deux joueurs absolument extraordinaires qui sont sortis à un poste où c'est un petit peu compliqué, les numéros 9 pour beaucoup d'entre nous en ce moment. Donc c'était évident, il fallait que je vous conseille et que je vous dise si c'est une bonne idée de faire ou non ces SBC. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, pensez au gros pouce bleu et évidemment à l'abonnement, ça fait toujours plaisir, même si je sais que c'est un concept qui est regardé, notamment par les fidèles. Et puis pensez aussi à me rejoindre sur Twitch, on est là-bas, on stream tous les jours à partir de 10h30/midi jusqu'à 14h, et ça me fait plaisir de vous voir un petit peu les abonnés de YouTube débarquer là-bas. Bon, faisons assez simple les amis, cette semaine n'a pas été très garnie, puisqu'on s'est retrouvé surtout avec deux SBC Toys, que sont Harry Kane et Di Lorenzo, un SBC icône absolument extraordinaire qu'a Eusebio et surtout un SBC chaudant de Raso Corboz. Bon, celui-ci, on va pas débattre 150 ans sur Raso ou Corboz. Je pense que les deux cartes sont pas forcément très intéressantes à faire, même si Corboz peut-être a des statistiques honorables, mais je pense pas, voilà, que ce soit vraiment une bonne idée. On va pas se mentir, les amis, passez votre chemin, même si peut-être y a-t-il une bonne surprise qui se cache en dessous. On va donc plutôt parler des trois SBC qui se trouvent ici, à commencer par le premier, Di Lorenzo. Pour moi, Di Lorenzo, il faut pas s'obliger à le faire, mais c'est vrai qu'en rapport qualité-prix, il n'est pas si cher que ça. Il a une très bonne carte, on rappelle une équipe 82, une équipe 84, et sincèrement moi il m'a agréablement surpris, ce Di Lorenzo. C'est un joueur qui manque peut-être de quelque chose, c'est d'être excellent dans un domaine, mais je le trouve très bon au niveau de sa vitesse, très bon au niveau de sa qualité défensive, très bon au niveau de ce qu'il apporte offensivement et très bon au niveau de son physique, mais il n'est pas excessivement rapide, il n'est pas excessivement fluide, il n'est pas excessivement bon défensivement. Voilà, il est très complet, mais c'est vrai qu'on peut lui reprocher ce petit truc où il manquerait peut-être un petit peu de saveur comparé à certains joueurs. Et si vous aimez les purs latéraux offensifs, vous allez peut-être pas être fan de ce Di Lorenzo. Et si vous aimez les purs latéraux défensifs, ben peut-être vous allez préférer un Dumfries du côté de la Serie A en évolution, parce qu'il va rester plus solide à l'épaule. Et voilà, c'est vrai que c'est un petit peu un joueur très complet, mais donc du coup on peut ne pas trouver son bonheur. Et il a toujours un body type un petit peu particulier, parce qu'il fait quand même 1m83, ce qui est assez grand pour un latéral. Et donc parfois il va manquer un petit peu de fluidité, mais ça va donc lui donner un petit peu de résistance à l'épaule, et ça c'est véritablement assez intéressant. En tout cas les gars, si vous cherchez un bon latéral de Serie A, n'hésitez pas. Mais pourquoi je voulais vous parler un petit peu de ce joueur là c'était pour vous dire, ok les mecs, vous obligez pas forcément à faire Di Lorenzo. Par contre là, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo alors qu'il n'y a pas beaucoup de SBC, c'est qu'il y en a deux qui sont très intéressants. Et ce premier, il est là, c'est ce Harry Kane. Harry Kane qui progresse énormément comparé à sa Rule Breakers. On est notamment sur un plus 8, plus 6 au niveau de l'agilité comparé à la précédente carte. On atteint enfin les 80 de vitesse, très grosse qualité de frappe, très grosse qualité de passe, très grosse qualité physique, et avec un playstyle aimant. Alors ce playstyle, ça a été critiqué parce que certains lui reprochaient d'avoir perdu un playstyle de passe ou de ne pas avoir un playstyle plus de frappe. Je vous le dis, ce playstyle-là, il est trop fort. Sur un numéro 9, quand il va devoir contrôler un ballon dans la surface de réparation, le ballon va lui coller au pied. Ça va lui permettre d'enchaîner beaucoup plus rapidement, que ce soit un dribble ou que ce soit un tir. Et le tir qu'il fera sera du coup bien meilleur, puisque le ballon sera bien mieux contrôlé, et lui permettra donc de mettre plus de puissance et plus de précision. Ce playstyle-là, si vous envoyez du grand R en croix, on en a parlé dans la vidéo que j'ai tournée il y a 2-3 jours pour progresser sur FC24, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien devant la surface de réparation avec votre milieu pour toucher votre neuf. Vous allez péter un câble. Il va aller contrôler les R en croix comme si c'était des passes à 2 à l'heure. C'est incroyable. Ça va vous donner une vitesse, ça va vous permettre d'accélérer la chose, etc., etc. Et sincèrement, je vous le dis, il est très sous-côté ce playstyle-là. Donc pour moi, c'est un grand oui. On a aussi des playstyles pour faire des passes, notamment le pass incisive et le pass long, qui permet pour lui de mettre des passes en profondeur lobées plus qualitatives. Mais c'est surtout le pass incisive qui est intéressant. C'est dommage qu'on n'ait pas le tiki-taka pour pouvoir jouer à une touche, mais c'est pas très grave. Déjà qu'on a le pass incisive, ça permet véritablement de donner des ballons sur le côté. Et on a le tir en extérieur du pied qui est très bon du côté d'Harry Kane, parce qu'il a déjà beaucoup de puissance de frappe. On est à 96, vous allez voir que les extérieurs du pied de Harry Kane sont supersoniques. Alors, sur Harry Kane, maintenant qu'on a parlé de ses points positifs, etc., de son playstyle plus, nanana, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je le trouve très fort pour un budget de moins de 200 000 crédits. C'est un des meilleurs neufs qui existent dans le jeu, si ce n'est le meilleur neuf si vous ne skillez pas énormément. Oui, c'est pas un joueur qui est excessivement rapide. Oui, c'est pas un joueur qui est excessivement explosif, qui va vous faire des différences sur des gauches-droites démentielles et qui va vous faire bouger un bloc. Non. Mais c'est un joueur qui est capable de très bien contrôler le ballon et d'accélérer là-dessus. C'est un joueur qui, quand il va recevoir un ballon à la surface de réparation, ça va faire filoche automatiquement. C'est un joueur qui a une grosse qualité physique qui lui permettra de résister parfois. C'est un joueur quand même qui a les 82 de vitesse et qui, quand il est lancé, résiste bien à l'épaule. Donc en fait, ça va, il peut quand même avancer.
Et véritablement, c'est le tueur, votre pur neuf, le pur finisseur qui est dans la surface de réparation et qui peut vous correspondre. Je tiens aussi à dire qu'on a un bon jeu de tête du côté d'Harry Kane et c'est très intéressant, notamment parce qu'on a de très bons centreurs cette année sur le jeu avec le Wiped Pass, vous savez, le pass justement, enfin les centres un petit peu cheatés avec les Playstyles ou les Playstyles Plus. Et sincèrement, les mecs, pour moi, si vous avez de quoi le caler, mais ne passez pas à côté de ce Harry Kane, il est vraiment ce côté et c'est un très bon pur neuf pour des joueurs avec un niveau lambda. Je sais pas, vous faites 11, vous faites 14, vous savez pas forcément ce qu'il est, vous adorez ce genre de profil en termes de rapport qualité-prix, il est extraordinaire. Maintenant qu'on a parlé de ce Harry Kane qui vaut vraiment le coup pour moi en termes de rapport qualité-prix, sauf si vous aimez les petits joueurs explosifs et très rapides, lui, il est là, c'est ce Eusebio. Et ce Eusebio Centurion, il est sorti pas très cher pour un Eusebio. On parle de 2 millions 6, 2 millions 7, 2 millions 800 000 crédits. Il va être aussi faisable sans doute pendant la TOTY puisqu'il reste quand même 59 jours, donc c'est quand même très sympathique. EA n'a pas été trop salaud. Et sincèrement, les gars, ce Eusebio, il est difficile pour moi de m'exprimer dessus et de vous dire que c'est sincèrement une bonne idée à faire ou que ça n'est pas du tout une bonne, parce que c'est un joueur qui est très particulier. Je m'explique. Vous entendez des gens qui sont extrêmement positifs avec Eusebio et qui vous disent que c'est une dinguerie, qu'il faut absolument faire ce SBC là, et vous entendez des gens qui vous disent que c'est une grosse douille et qu'il ne faut pas le faire. Pourquoi, selon certaines personnes, il ne faudrait pas le faire? C'est parce qu'il n'a que 3 playstyles, dont 0 playstyles de tir sur le tir en finesse ou l'extérieur du pied. Le tir puissant blanc, il ne sert pas à grand chose, on va pas se mentir. Donc, c'est vrai qu'on a quand même un gros manque de playstyles cette année sur Eusebio, et c'est dommage, on n'a pas de playstyles au niveau de la passe, on n'a pas donc cet extérieur du pied, on n'a pas donc ce tir en finesse, et ça lui manque véritablement, les amis, on ne va pas se mentir. Mais à côté de ça, on a quand même le playstyles plus rapide, et on a quand même le playstyles plus fusé. Et on a quand même une certaine qualité devant les cages. Eusebio, moi, pour doser cet avis qui dit que, oh là là, Eusebio, il a que 3 playstyles, on est peut-être sur les meilleures frappes croisées en termes de puissance, précision qui existent quasiment dans le jeu. En termes de finition, il est extraordinaire, les amis. Vraiment, il faut vraiment en avoir conscience. Il met des buts incroyables. Quand il est dans la surface, c'est vraiment son terrain de jeu. Il est capable de vous faire la différence. Et si le mec bouge le gardien, ou boum, croisé, bah vous décroisez, et ça part très bien puissamment. Et vraiment, avec de la puissance, pardon, pas puissamment. Et franchement, ça va aller au fond des buts. Je trouve vraiment fort dans cet exercice-là, notamment grâce aux 5 étoiles de mauvais pied. Et sincèrement, ne le sous-cotez pas parce qu'il n'a pas de playstyle. Ne croyez pas qu'il n'est pas capable de finir des occasions. Non, il le fera très très bien. C'est juste que oui, il va pas pouvoir vous mettre des enroulés en dehors de la surface de réparation. Ça, c'est très gênant. Ni des extérieurs du pied. Et moi, personnellement, j'adore le faire avec Son pour débloquer justement des situations. Et personnellement, ça me gêne. Au niveau de la qualité de passe, c'est pas trop mal. Sincèrement, Eusebio, c'est pas trop mal, même si c'est pas non plus Kane. C'est pas trop mal, il va réussir à donner des ballons. Mais il n'y a pas d'effet, c'est des ballons très droits, très rectilignes. Au niveau de la vitesse et de l'explosivité. Sur l'explosivité, si vous savez faire des passements de jambes, c'est peut-être un des joueurs les plus impressionnants avec Kylian Mbappé au niveau de la vitesse sur le speed boost qu'il prend après un passement de jambes. C'est incroyable. Au niveau de la vitesse pure et intrinsèque, oui, c'est vraiment bon. Mais les amis, même cette année, Kylian Mbappé se fait rattraper par des VVD, etc. Et j'ai peur que si vous ne savez pas faire des passements de jambes, vous soyez un petit peu déçu. Parce que si vous le prenez véritablement pour cette qualité de vitesse, oui, il a de la vitesse pure et dure, mais c'est très dur cette année de trouver des neufs qui vont vraiment tracer des défenseurs centraux. Ça n'existe quasiment pas. Et je vous le dis, ce Eusebio-là peut parfois vous décevoir parce qu'il ne va pas le faire. Et c'est souvent un problème que certains lui reprochent et sont un petit peu déçus de sa carte. Par contre, au niveau des droites-gauches, au niveau des petits appuis dans la surface de réparation, c'est n'importe quoi, il est trop fort aussi là-dessus. Il fait vraiment des différences absolument phénoménales. Les droites-gauches avec lui, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très fort. Alors c'est quoi le résumé de cette carte maintenant que j'ai pu vous parler un petit peu de tous ses points faibles et ses points forts? Évidemment, vous n'avez pas de jeu de tête et au niveau de la force, il résiste bien à l'épaule, mais quand même, il peut se faire bouger. En fait, Eusebio, c'est un joueur qui, pour moi, va déjà correspondre à des gens qui ne skillent pas, hormis des passements de jambes, puisque bah, il n'a pas 5 étoiles gestes techniques, et qui va surtout correspondre quand même à des gens qui, même s'ils ne skillent pas, ils savent maîtriser la méta, parce que Eusebio, c'est un joueur de méta. Eusebio, c'est un joueur de tir croisé, c'est un joueur de tir premier poteau, c'est un joueur de passements de jambes, et c'est un joueur explosif. Si vous êtes un joueur, vous faites uniquement des tout droits, vous cherchez uniquement un pur finisseur, et vous cherchez quelqu'un qui sait voilà, se positionner, résister physiquement, etc., je sais pas si en termes de rapport qualité-prix, vous pouvez ne pas être un petit peu déçu à un moment donné, surtout qu'il va manquer peut-être cet extérieur du pied ou ce tir en finesse qui est quand même pas si dur que ça cette année à faire, et vous allez voir qu'il est vraiment pas à l'aise avec cet exercice.
Le meilleur conseil que je peux vous donner avec ce Eusebio, avant de bien vous demander si vous devez le faire ou non, c'est véritablement déjà d'aller tester cette version-là en près de 5 matchs. Et sur cette version-là de 5 prêts en match, n'allez pas la tester en play-off. Testez-la en fut de champion dans des matchs bien compliqués, vous allez voir s'il est fait pour vous. Et les gars, je le dis et je le répète, si vous ne vous sentez pas à l'aise et vous ne trouvez pas que ce soit le top joueur, le meilleur joueur du jeu, ne le faites pas. Ce Eusebio, ce n'est pas le SBC absolument à faire de ce FC 24, si jamais il ne vous correspond pas. C'est un joueur qui est quand même particulier et qui a ses défauts comme ses qualités. Maintenant, pour avoir du positif avec lui et pour évidemment le défendre aussi, je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix et en termes de rendu dans le jeu, je pense qu'il a beaucoup plus d'armes que Zidane qui était plus en SBC pour le plaisir. Sincèrement, je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, vaut mieux faire Eusebio, surtout si vous avez des crédits en ce moment, parce que le poste de 9, c'est plus compliqué de trouver des 9 comparé au poste de milieu centraux, et je pense que Eusebio vous donnera plus. Pareil les gars, si vous avez fait Kenny Dalglish, ne croyez pas que Eusebio va le tuer, etc., etc. Dalglish a des qualités que Eusebio n'a pas, notamment sur le tir en finesse et l'extérieur du pied, même si Eusebio va récupérer d'autres choses, notamment la vitesse, l'explosivité, les gauches-droites, où il va être encore plus vif que fait Kenny Dalglish, mais c'est deux joueurs qui sont un petit peu différents, donc ne stressez pas si vous avez fait Dalglish. Voilà donc pour ce Eusebio. Réfléchissez bien par rapport à tout ce que je vous ai dit. Moi, je vous ai cité ses points faibles et ses points forts. Il y a des manières de jouer, on ne joue pas tous de la même manière et c'est pour ça. Pensez aussi à vous faire plaisir, faites-le s'il vous fait kiffer et si vous hésitez, etc., etc. Parce qu'il vaut vraiment le coup en termes de rapport qualité-prix. Mais ne vous faites pas avoir par les gens qui disent que « Oh, il est trop fort, c'est le meilleur BU du jeu » comme « Oh là là, il ne faut pas du tout le faire parce qu'il a que 3 playstyles, c'est une douille ». Les gars, c'est vraiment un joueur sur lequel il faut se poser, il faut réfléchir. Et peut-être que les 3 playstyles, ça lui vaudra cher à un moment donné dans la saison parce qu'il finira peut-être un petit peu moins et c'est là où il lui manquera peut-être ce playstyle tir en finesse ou extérieur du pied qui fait du bien à certains joueurs. Mais c'est pareil, si vous le kiffez, il aura toujours son explosivité, ses gauche-droite et ça restera sans doute toujours un top joueur, sachant qu'il est déjà en version centurion et non pas en version régulière. Ça aussi, c'est à préciser puisque c'est la version au-dessus de sa carte normale. Et ça, c'est quand même véritablement un bon point pour lui. Donc, là, je ne vous ai pas dit si ce SBC était véritablement à faire, absolument ou non. Je vous ai donné ses qualités et c'est à vous d'en décider et de choisir. Personnellement, je ne le ferai pas, ce Eusebio, les amis. J'attends un tout petit peu mieux. Je trouve qu'on n'est pas au niveau de Jairzinho de l'an dernier sur ce Eusebio, qui vraiment, Jairzinho, il fallait absolument le faire parce que c'était trop, il n'y avait pas d'attaque en droit, etc., etc. Mais c'est un très très bon SBC, quasiment au niveau de Zidane 94 l'an dernier, à un autre poste et d'une manière un petit peu différente. Voilà les amis, donc pour cette vidéo, j'ai été assez long les gars, mais je tenais vraiment à être assez long sur le joueur parce que je pense que c'est un joueur un petit peu compliqué et j'avais vraiment envie de vous donner des bons avis, même sur Kane. Comme d'habitude, pensez au petit pouce bleu évidemment et à l'abonnement, c'était Tip. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les SBC en espérant que celle-ci vous ait plu et puisse vraiment vous aider. Très bientôt d'ailleurs sur Twitch, comme je disais un petit peu plus tôt, en live tous les jours à partir de 10h30 ou midi. Ciao ciao les gars et à bientôt.